Salut les amis, bienvenue sur Quête de Vérité en Afrique. Comme vous le savez, nous sommes au Bénin. Alors, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager et de commenter toutes nos vidéos. Aujourd'hui, nous avons pris la route, nous laissons l'hôtel qui est en dehors de Cotonou pour nous rendre à Cotonou dans la ville pour visiter le marché des arts de Cotonou. Alors, comme vous le voyez, nous sommes dans le bus, nous attendons l'arrivée. C'était un peu long parce que quand même, en dehors de la ville, ça nous prend à peu près, disons, une heure s'il n'y a pas de trafic, s'il n'y a pas de bouchon pour arriver à Cotonou. Mais quand même, là où on était resté, c'était bien. C'était à la campagne, mais un endroit très chaleureux quand même et qui nous a accueillis là-bas. Nos visiteurs ont bien aimé. On avait toutefois choisi une maison, une grande villa pour eux à Cotonou, mais quand nous avons visité l'endroit, on a remarqué que ce n'était pas possible d'installer nos visiteurs dans cette maison. Nous sommes en ville déjà. Comme vous pouvez le voir, c'est un endroit en ville et nous allons arriver là au marché des arts. Ça va permettre aussi à nos amis, aux visiteurs de pouvoir faire des achats et d'apprécier les œuvres d'art du Bénin. Mais avant, on s'est arrêté à l'Étoile Rouge pour prendre des photos. C'est une place à Cotonou. On a pris des photos. Il y avait encore les décorations de Noël et du Nouvel An qui sont encore sur la place. En ce moment, nous arrivons au marché des arts de Cotonou. Là, je vais vous laisser regarder nos visiteurs, négocier aussi certains prix avec les vendeurs des œuvres d'art. Bien. Elle est venue me voir. Comme vous pouvez le constater, il y a une multitude d'œuvres d'art dans ce marché des arts de Cotonou. Et des fois, il est difficile même de pouvoir choisir ce qu'on veut exactement. On veut acheter de tout, on ne sait pas où commencer. Alors, c'est le dilemme qu'il y avait avec nos visiteuses, parce qu'elles ne pouvaient pas choisir. Elles étaient dans l'embarras du choix. Parce que franchement, il y avait de très belles choses parmi lesquelles choisir ce qu'elles veulent exactement. Nous avons ce Dieu et nos ancêtres qui nous ont éduqués pour lui de respecter la vie des animaux, de respecter la vie des oiseaux, de respecter la vie des animaux. Et quand vous avez tout ça là, vous avez tout ça.
Si vous visitez le Bénin et Cotonou, n'hésitez pas à aller là-bas et regarder certaines choses et acheter aussi. La nuit est tombée et nous avons décidé de passer sur l'avenue de la Marina. Et là, nous avons pu remarquer une multitude de monde, comme c'était un dimanche. Alors, le dimanche, il me semble que les gens vont là pour se détendre et faire des photos auprès de la statue de la femme guerrière amazone du Bénin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Quête de vérité, de liker, de partager, de commenter toutes nos vidéos. À la prochaine.